Cette petite histoire est vraie. Elle s'est passée il y a des années, non loin d'ici. Je la raconte parce que je me souviens de jeune homme nommé François, qui eut affaire à une guerre où l'on avait beaucoup de combativité et de gros chagrins. Des milieux d'hommes prenaient part au combat et étaient perdus. Mais où il y a de la vie, il y a de l'espoir. François travaillait pour la résistance, mais on doutait de ses bonnes intentions. Il fut accusé de trahison. C'est dégoûtant, hein? Et après un interrogatoire, il fut mis en prison. Mais vous pouvez avoir confiance. Il échappe à la surveillance. Et il a eu la chance. Celle que la vie d'un légionnaire qui donnait ses forces dans ce vaste désert. C'était un défi, une autre chance, et il fait preuve de sa vaillance. Ton héros à toi, mon amour à moi, la menace de guerre, je n'ai plein le dos. Tu me portes en l'air. Donnait ses forces dans ce vaste désert. Mais cette guerre est finie.